Le général de brigade camerounais Martin Choumou Toumenta a tiré sa révérence ce lundi 30 novembre 2015 des suites d'une maladie. Commandant de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine depuis septembre 2014, il était auparavant commandant de la composante militaire de la MISCA, mission internationale de soutien à la Centrafrique. Entre décembre 2013 et septembre 2014, il aura assumé le maintien de la sécurité et de la paix dans ce pays, alors sous tension. Une grande perte pour l'armée camerounaise. Il a toujours su concilier non seulement l'officier général qu'il était nanti de certaines missions bien précises, à l'homme humain qu'il a été. D'une manière ou d'une autre, son action reste positive auprès de la MINUSCA, déjà auprès de la MISCA. Ça veut dire qu'il avait quand même une certaine doigté à commander ses hommes. Diplômé de l'école militaire interarmée au Cameroun, le général Martin Toumenta a occupé les fonctions de commandant de région militaire et bien d'autres encore au sein de l'armée camerounaise avant son départ pour la MISCA. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, l'armée camerounaise tout entière et ses proches collaborateurs saluent l'engagement et le dévouement de l'homme. Quand on perd déjà un officier général de cette valeur, c'est une grande perte pour l'armée camerounaise. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder son œuvre. Et puis, c'est-à-dire qu'il a commencé quand même quelque chose de très très fort en RCA. C'est la réaction que je peux avoir d'un grand homme qui a été mon chef de formation quand j'étais élève officier à l'école militaire interarmée. Je retiens de lui un homme extrêmement rigoureux, très bouillant, parce que déjà on l'appelait haute tension tremblote, HTT, c'était son petit nom qu'on lui avait donné, qui connaissait son travail et qui avait une certaine passion pour le métier des armes. Sur place en Centrafrique, la situation demeure tendue à la veille des élections. La MINUSCA devrait obtenir des renforts avant le scrutin. 750 militaires égyptiens et 140 policiers mauritaniens qui viendraient rejoindre les 10 800 hommes de l'opération de maintien de la paix. Le premier tour de la présidentielle et des législatives devrait avoir lieu le 27 décembre 2015.